A man can have anything if he is willing to sacrifice. Et plop tout le monde, c'est Meux, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la Hollis Cup et des Twitch Drops qui s'accompagneront de cette compétition. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la Hollis et qu'est-ce que la Hollis Cup? La Hollis, c'est un escadron en fait de joueurs majoritairement axés sur le côté e-sport du jeu. Donc c'est plutôt des joueurs e-sport et ils avaient déjà organisé en fait il y a quelques mois de cela un tournoi Hollis totalement par eux-mêmes, hein, c'était, il n'y avait pas de soutien technique de Gaijin ni rien, c'était totalement par eux-mêmes et j'avais casté également, donc Planic avait casté, Nexus avait casté, il y avait eu un tournoi plutôt à taille réduite uniquement au sein de la commu FR et ils avaient déjà mis 100€ de cash prize d'eux-mêmes dans le tournoi, ce qui avait attiré pas mal de monde. Et grâce à ce tournoi, en fait, ils voulaient démontrer à Gaijin simplement qu'il y avait une commu derrière qui était présente pour l'e-sport. Et c'est ce qui s'est passé. Gaijin a vu la commu, a vu le tournoi, et ils se sont dit « Waouh, c'est vachement intéressant !» Et du coup, ils ont tout simplement proposé, je pense, de faire une deuxième, un deuxième tournoi Hollis, une deuxième Hollis Cup, cette fois-ci avec le soutien technique et financier de Gaijin. On va voir ça tout de suite. Alors, pour ce tournoi, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Il y a 1000€ de cash prize et 100 000 Golden Eagle. Bien sûr, vous doutez que ça ne sera pas 1000€ pour juste les premiers et 100 000 Golden Eagle pour les premiers. C'est un cash prize global qui sera réparti en fonction des places dans le classement. Ce tournoi se déroulera sur Twitch en stream, bien sûr, hein, sur la chaîne eSport Ready. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la chaîne eSport Ready FR dans la description, de même que le dev blog où tout est expliqué. Il y a une petite vidéo, je pense que vous avez déjà vu quelques trucs, vous avez déjà dû comprendre quelque chose dans la vidéo, quelques petites choses, ouais, dans la vidéo que je vous ai montré juste avant. Donc ça sera sur la chaîne eSport Ready, tout est dans la description. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil si vous voulez avoir plus d'infos, ou du moins plus en détail. Donc ça sera sur toutes les chaînes eSport Ready, pas que la FR, mais moi je vous recommande la FR parce qu'on est français avant tout, voilà. Donc les inscriptions, c'est extrêmement urgent, il faut que vous inscriviez jusqu'à ce soir 18h40. J'avais prévu de faire la vidéo avant mais j'ai eu un petit problème technique, du coup ça n'a pas pu, c'est pour ça que la vidéo sort un petit peu en retard. Mais faut que vous inscriviez, honnêtement faites une team, ce sera des teams de 5 joueurs, alors 7 joueurs mais 5 joueurs principaux et 2 réserves, donc 2 remplaçants tout simplement. 5 joueurs, ça va, ça se fait, je pense que c'est assez, pas facile à trouver, mais ça devrait se faire. Personnellement, je pense que je vais essayer de monter une team aussi, parce que j'ai bien envie d'y participer. Au dernier, j'ai pas pu participer au dernier eSport Ready, donc là, je vais essayer de le faire, celui-là, vu que je ne caste pas, du coup. Mais ça va peut-être se faire un jour, pourquoi pas, on sait pas. Bref, je sors du sujet. Donc, pour la première place, ça sera 500$, 2500 Golden Eagle par joueur. Non, 500$ pour l'équipe, 2500 Golden Eagle par joueur et le titre Hollis Cup Champion. La deuxième place, c'est 300$ pour l'équipe, 1500 Golden Eagle pour chaque joueur et 200$ pour la troisième place avec 200$ pour l'équipe, pardon, 1000 Golden Eagle par joueur. Quatrième et cinquième place, ça sera 700 Golden Eagle par joueur.
Donc la dotation totale, elle est de 100 000 Golden Eagle. Après, en fonction des places, je sais que jusqu'à la 12e place, de la 2 à la 12e place, ils recevront un titre. Donc le Hollis Cup Contender. Il y a quelques règles que je vous invite à aller voir dans le petit dev bloc qui est en dessous. Mais typiquement, c'est comme le dernier tournoi, par exemple eSport Ready. C'est un tournoi en réa, mais avec des marqueurs pour éviter la camp, ce genre de choses. Le tournoi, il se déroule en deux phases. Vous avez des phases de groupe où il faut une victoire pour avancer. Et ensuite, vous avez les playoffs, trois victoires pour atteindre le plus haut palier en fait, du tournoi, si vous préférez. Il y a un système de winner bracket, loser bracket. Voilà. Après, il y aura une présélection de véhicules assez large. Pareil pour ça, je pense que vous y voyez à l'écran, mais il y a une sélection de véhicules. C'est un véhicule qui est quand même plutôt accessible cette fois-ci. On est sur des véhicules mid-tiers, Batchat, AMX-13, il y a des M4. C'est du matériel qui est quand même plutôt accessible à l'ensemble des joueurs, je pense. Donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je rappelle qu'il faut être 5 plus 2 remplaçants. Alors les deux remplaçants ne sont pas obligatoires. Si vous êtes que 5, ça marche. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez jouer qu'à 5. Ce n'est pas un problème. Donc voilà. Il y aura également, je pense, ce qui vous intéressera le plus, des Twitch Drops. Les Twitch Drops se dérouleront le 13 et le 14 en même temps tout simplement que le cast du tournoi. Le cast du tournoi aura lieu aujourd'hui et demain et également du 20 au 21 mars, donc tout simplement le week-end prochain. Voilà, donc vous pouvez retrouver, comme je l'ai dit, les Twitch Drops se dérouleront sur la chaîne eSport Ready qui est juste en dessous, donc sur les chaînes anglaises, françaises, allemandes et espagnoles, mais il me semble qu'il y a aussi une chaîne russe, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut y gagner dans ce Twitch Drop? Parce que je pense que la plupart, c'est ce qui vous intéresse. On peut y gagner une décalco et un titre. Donc le décalco, la décalco All-List et le titre All-List Team. On peut également y gagner le camouflage All-List pour le LA7, qui est très stylé. Je pense que vous avez vu à l'écran. Donc vous avez vu normalement le camo du Tigre de H également. Donc sur le gameplay que vous avez à l'écran. Alors je ne sais pas, ce sera au moment où je parle le gameplay du Tigre de H. Mais bref, normalement vous aurez vu les deux. Le camo du LA7 et le camo du Tigre de H que je trouve vraiment, vraiment super stylé. Le LA7 est vraiment super stylé. Le Tigre de H est pas mal. Il est vraiment joli. Alors après, je le trouve moins joli que pour le LA7, mais il est vraiment, vraiment sympa aussi. J'aime bien les couleurs, en fait, c'est des couleurs assez vives, donc c'est assez cool. Et les conditions, bah, pour avoir les Twitch Drops, je pense que je vous les explique pas, mais c'est comme d'hab, hein, faut que vous connectiez votre compte Twitch à votre compte War Thunder. Le lien sera également dans la description. Pour ça, je pense que j'ai fait le tour. Donc je le rappelle, hein, pour s'inscrire, il faut s'inscrire, il faut participer. Alors je vous oblige pas bien évidemment, si vous n'avez pas envie de participer, vous n'allez pas participer. Mais honnêtement, essayez. Essayez au moins une fois l'e-sport, histoire de voir si ça vous plaît. Parce que tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir. Le plus dur, je pense, pour vous, ça va être de trouver les gens avec qui jouer. Quoique, qui sait, peut-être qu'il y a des gens qui n'auront aucun problème là-dessus, qui sont peut-être déjà même inscrits. Donc franchement, essayez au moins une fois l'e-sport, vous verrez, c'est vraiment sympa. Moi j'en fais de temps en temps, c'est rare, après j'ai pas forcément trop le temps non plus. Surtout que c'est un petit peu contraignant au niveau des horaires. Mais là en l'occurrence, c'est le week-end, on est samedi soir, dimanche après-midi. Franchement, ça devrait pas être trop compliqué, j'espère en tout cas, pour vous, sur votre emploi du temps. Voilà, je rappelle qu'il y a 1000 euros de cash prize, ce qui est énorme, et 100 000 golden à la clé. Enfin, pas pour tout le monde, mais vous m'aurez compris. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne eSport Ready, je le rappelle, pour avoir les drops malgré tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne fin d'après-midi, un bon appétit, je sais pas, au moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !